déjà, un grand merci à tous pour avoir mis autant d'efforts, d'implication dans ce projet. C'est assez impressionnant là, déjà, de voir un peu ce qui se trame et la qualité des scénarios que vous avez construits pour cette prospective. En fait, la chose importante avec ce projet, c'était que dès le départ, on était parti sur l'idée d'une microcar, un peu à la manière des bubble cars. Et on a voulu tout au long du projet, en fait, développer une forme qui soit la plus rassurante possible, avec des formes galbées, très peu d'arêtes saillantes, pour finalement inviter en fait les passagers, l'environnement, tout simplement. À aller vers ce véhicule et inversement. Donc deux parties bien distinctes qu'on a pu dessiner par rapport au sketch et ressentir de plus en plus avec la maquette arrivant. Ces deux parties-là créent le contraste en fait qui est dû au scénario. La première étant que la problématique apporte l'image industrielle et la deuxième est la réponse à la problématique apportant l'image de l'artisanat. En termes de ressenti, à la fin de ce partenariat, on est plutôt satisfait, c'était une bonne expérience. On était plutôt têtus, obstinés sur notre projet. Je pense qu'on leur a fait peur sur notre projet de service, pas tellement d'une voiture, mais on est plutôt satisfait d'être allé au bout de notre démarche. C'était une chouette expérience. À l'avant, il y a des câbles qui partent, en fait, des roues, et qui rentrent dans les flancs et qui créent un système de freinage par diaphragme. Et ces câbles qui sont en fibre optique traversent tout l'habitacle et créent des jeux de lumière à l'intérieur et finissent à l'arrière et donnent des optiques assez originales. We've made more researches and so we added more details in the back to make it more technical. And we worked with the colors to make it completely black, the very technical part, and make it white in the back to be really simple. And we suppressed the glass to be even more simple. And so maintenant, après quelques sketchs, après des dessins comme ça, on a réussi à trouver un vrai style et on a réussi à mettre sur pied une voiture qui est vraiment vivante, qui a un vrai fonctionnement et qui est devenue crédible. Comment évoluer le design et la forme depuis la dernière fois? Donc en fait, on a ici la maquette finale et donc les lignes sont beaucoup plus tendues. On a essayé de simplifier, de faire des formes beaucoup plus continues, de jouer sur la fluidité. Et vraiment faire quelque chose où les lignes se suivent tout le long des surfaces. Donc au travers de l'intérieur, on imaginait quelque chose de très 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 longitudinal, avec une position du conducteur et les positions des passagers qui se trouvaient à l'arrière, mais sur une position beaucoup plus étalée, de manière à offrir un espacement et un salon pour le reste de la famille. Ce qu'on a essayé de mettre en place en fait ces dernières semaines, c'est le travail sur la maquette et le jeu en fait entre l'exter et l'inter, et au niveau de la forme, au niveau des matériaux. On a également concrétisé la manière dont le conducteur et la voiture va accéder aux concessions et va ressentir son problème coup d'adrénaline. À première vue, c'est la maquette qui est comment le jeu pour les enfants, mais c'est pas ça. C'est vraiment une maquette qui fonctionne. Toutes les pièces, en échelle 5, mais le mouvement, les mêmes tailles et les mêmes proportions. Encore un grand merci à tous et bravo pour ce travail.